Allez, salut tout le monde, c'est Kingzard, on se retrouve sur The Long Dark. On est parti vers un endroit qui... Ah, j'ai plus de balles. Voilà, comme ça on ne sait jamais s'il y a un loup. Je pourrais quand même le faire se barrer. On est parti sur, donc, ouais, l'endroit où il coupe des arbres et tout ça, et c'est là-bas. Mais il y a des trucs à aller choper, il y a des champignons. J'avais trouvé quoi? J'avais trouvé... Enfin, des tas de trucs, en fait. Mais en fait, je suis même pas sûr que je vais les retrouver, parce que de toute manière, les trucs sont aléatoires. Apparemment, ça pop à peu près n'importe où. En tout cas, je sais qu'il y a... Bah, là-bas, il y a des bâtiments. Hein. Il y a des genres de petites cabanes. Mais il y a un feu, mais il est dehors. C'est con, mais c'est comme ça. Il y a une cabane en ruine avec un feu dedans, et... Tu peux te faire à bouffer. Il y a des trucs à récolter dans des petits mobilhomes. Et en plus, si tu vas encore plus loin, mais alors là, pour retrouver le chemin, je vais galérer. Si tu vas encore plus loin, il y a une genre de tour... vous savez, ces genres de tours qui mettent en hauteur dans les forêts pour voir s'il n'y a pas des feux de forêt. Bon, c'est un peu ce genre-là, sauf que c'est pas pour les feux de forêt, parce qu'ici, il y a quand même peu de chance. Mais c'est une genre de tour... voilà, une tour de guet. Alors, il y a peut-être des choses ici autour. J'espère qu'il n'y aura pas de loup, parce que là... La dernière fois que je suis arrivé ici, je me suis fait bouffer par un loup. Ok, ça a l'air d'être clean. C'est quoi ça? C'est vide. Ah bah c'est pratique. C'était quoi? J'ai vu un truc. Je sais pas. Bon, je continue par là parce que c'est par là, il me semble. Mais là, je suis absolument paumé. Hein. Je sais pas où je vais. C'est somewhere là-bas. C'est tout ce que je sais. Ah ouais, non. J'ai pas envie de faire ça, moi. Pas le temps à perdre. Ramasse du petit bois, pas des grosses branches qui vont prendre des plombes 10 minutes à séparer pour faire du petit bois. J'ai pas ce temps à perdre. Et puis je suis gelé, je viens juste de sortir de chez moi. Pourtant je suis habillé et tout, hein, mais bon, c'est un pays invivable. Hein. Il doit faire du genre moins de 40 là. Non, il fait quoi? Il fait moins 23. C'est frisqué quand même. Hein. Donc je vais vite être en hypothermie. Là, voilà, c'est la folie. Je vais crever, je crois. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. Hein. Comme je disais, ça se peut très bien que ce soit un let's play qui va durer 3 épisodes, quoi. Si vous voulez regarder des longs épisodes, hein, des longues parties de The Long Dark avec des personnes qui savent jouer à The Long Dark, pas comme moi, vous pouvez regarder, si vous êtes anglophone, regardez les let's play de Matas Games. Ah, il y a un loup là-bas. Matas Games, c'est un gars, c'est un Canadien, il me semble, ou américain, je saurais pas dire. Et lui, il joue à The Long Dark. C'est pas mal ce qu'il fait. Alors, il me semble que c'est par là. Donc ça tombe bien, parce que j'ai pas envie d'aller croiser le loup, là-bas. Il me semble, hein, ça se peut très bien que ce soit pas par là. Hein. Zone de chargement ferroviaire. Ouais, c'est là-bas. J'entends les loups, ça me fait flipper. J'ai pas envie de me faire bouffer. Je crois que c'est là-bas plus loin. C'est quoi ça là-bas? C'est une biche. Si je peux trouver des petits champignons, ça va le faire. Ça me permet de faire des médicaments, hein, les champignons. C'est le genre d'analgésie antibiotique ou analgésique, je saurais pas dire. L'un des deux, enfin c'est un médicament quoi. C'est là-bas qu'il y a une petite cabane, c'est là-bas. Elles sont là-bas les petites cabanes.
Ah mais je trouve pas de champignons là. C'est pas bien ça. J'en veux moi. Je suis venu ici pour ça aussi. Hein. Enfin pas que pour ça mais... J'aimerais bien en trouver. Pas faire tout ce chemin pour des champignons, hein. Je suis pas un dingue. Ok. Toujours pas de champignons. Je vais aller fouiller un petit peu là-bas. Exploitation forestière. Hop là. Soda. Un vieux sac de couchage. C'est tout. C'est de l'arnaque. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'il y avait. Ok, bon ben, au suivant. Quand le loup s'arrête de marcher, j'ai toujours l'impression que le jeu il bug ou qu'il plante. J'ai pas envie. Oh, les sacs de couchage, oreiller, fusil de détresse. Ok, très très bien. Lampe tempête, pouvoir recycler tout ça. Veste de ski duvetée. Très bien. Soda à l'orange. Du café. Ok. Une jerrycan d'essence. Bon, j'ai tout pris. Enfin, il y a des trucs que je pourrais recycler, mais... Je vais faire un petit peu de bois. Allez, me réchauffer. Alors, pour se réchauffer ici, il faut aller dehors. Paye ta logique. Je vais d'abord visiter l'autre. L'autre mobilhome. C'est lequel? Celui-là, je crois. Téléphone, je sais pas qui c'est, je réponds pas. Voilà, c'est radical hein, chez moi. Faut pas m'appeler. Tiens, du bois de chauffage, très bien. Bonnet en laine simple, très bien. Pouvoir se vêtir chaudement. Nouveau lieu découvert. Ah bon? Bah j'étais déjà venu ici. Bon, je sais pas. Soda à l'orange. Journal. Ça c'est pour du recyclage. Et ça c'est vide. Très bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de beau au niveau des vêtements? Celui-là est mieux. Ouais. Celui-là est pas mieux. Mais celui-là a l'air un peu mieux que l'autre. Recycler. Ça me fait énormément de tissu tout ça. Est-ce qu'en réparant les objets que j'ai déjà, ça me permettra d'avoir plus chaud? Question. Je vais essayer. Par exemple ce bonnet là. 70%. Hein. Et 0,7, 0 degré. Réparer. Voilà. Ouais, ça marche.
Bon, c'est pas fantastique, mais ça marche. C'est trop cool ça. Je viens de découvrir un truc, hein. Honnêtement, j'avais jamais essayé ça avant. Bah, ça marche. Et là, je suis content parce que... Bah, faut encore que je répare, en fait. Il y a encore 11% à réparer. En fait, il faut continuer, il faut faire plusieurs fois pour... D'accord. Bon, je suis peut-être pas en train de réparer les aliments... Les aliments. Les éléments les plus... intéressants. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver des meilleures chaussettes ou des meilleurs jeans, tu vois. Mais si ça peut me permettre de pas me geler de pas me geler les burnes... Eh ben, j'hésite pas une seconde parce qu'il fait super froid là dehors. Hein. 77%, je peux pas aller plus loin. Sous-vêtements en coton. Hein? Recycler. Mais non, 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 annule. C'est pas recycler, c'est réparer qu'il faut faire. Ah oui, mais je n'ai plus de tissu. Ah bah ouais, ça pose problème. Ah bah tiens, du tissu, je peux en faire ici normalement. Ça là. Bah voilà. Que demande le peuple? Casser. C'est pas vraiment casser quoi. Récupérer quoi. Scavenge. Ah ouais, ça en donne bien du tissu ça. Encore 7 heures de lumière. En même temps, je sais pas trop où je vais aller après 17 heures. Hein, donc, enfin, après cet épisode, hein, après ce lieu-là, je sais pas où je vais. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Je vais partir à l'aventure compagnon, on verra bien. Hein. Parce que de toute manière, il faut bien que j'explore. Ouais. Réparer un petit peu tout ça, ça va être très bien. Je parie que je vais sortir et je vais me geler tout autant. Je suis sûr que ça sert à rien ce que je fais là. Et ça va être un maître couturier de grand talent, lui, tu vas voir. C'est pas possible ça. C'est super long à réparer ces trucs. Hein. Voilà. C'est très cool le fait que j'ai tout ce tissu là. Il a la dalle. Ok, la nourriture. La nourriture. Voilà. À manger. Ouais, alors par contre, j'aimerais bien le faire chauffer plutôt. Donc aller faire chauffer un truc à l'extérieur alors que dehors il fait moins 20. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais pourtant, c'est ce que ce jeu m'oblige à faire, en tout cas à cet endroit. Il y a un loup là-bas, j'ai pas envie qu'il me chicote. Ça, je sais pas à quoi ça sert ces trucs. Les baies là. Cynorhodon. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas encore réussi à l'utiliser dans un craft. Oh, un bonhomme mort. Du bois. Ah, une hachette! Génial! Super génial. Ah bah ouais, ça part tout de suite. Hein. J'espère qu'il va pas venir me bouffer le loup. Hein. Franchement, reste dans ton coin. C'est pas que c'est long, mais c'est juste que j'ai pas eu le reste de ta phrase, Cypri. Bah si tu dois y aller, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on se voit très bientôt. Tu suis très souvent mes live streams, donc. La prochaine, on la fera plus longue, comme on dit par chez moi. Allez, on va mettre un petit peu de bois de chauffage. Faire chauffer tout ça et manger. Et puis, ça va être le moment d'arrêter l'enregistrement.
Ok. Tout, c'est ça, hein. Nourriture pour chien, je mange. Pas de pitié, ça va pas être très bon, mais je le mange quand même. Ok, on en est où là? Bah, j'ai encore faim, j'ai encore soif. C'est pas vrai dans ce jeu, il faut tout le temps manger, tout le temps boire, quoi. Un litre. Refaire un petit peu de flotte. Bon, apparemment le loup ne m'a pas sauté dessus. Là, je sais pas, il est dans mon dos, il fait ce qu'il veut, là. Mais s'il se rapproche et qu'il me voit, il va me choper. Voilà. Ok, est-ce que j'ai chaud? J'ai chaud. Température ambiante, 1 degré. Température ressentie avec le feu derrière plus les vêtements, 10 degrés. Pas mal. J'ai juste besoin de sommeil, quoi. C'est ça qui est cool. Bon, ben, je pourrais pas me réchauffer plus que à fond, donc je vais y aller. C'est bon, il est pas là, le loup. Quelle heure il est? 4 heures de lumière, donc c'est pas énorme. Je vais recycler ça. Voilà, comme ça, dès que je me lève, je pourrai faire plus de réparation de mes vêtements. Et puis, je vais dormir. J'en ai pour 14 heures de sommeil, hein, donc... Ah, tiens, je vais pas visiter ça. Si, mais c'était vide. Tiens, ça m'étonne que je l'ai loupé. J'avais pas regardé. D'autres gants, ça c'est cool. Non, je suis pas venu ici. J'ai dû visiter deux fois la même... Ouais, c'est bien ce que je crois. Hein. Je pense que j'ai dû visiter deux fois le même mobilhome. Ok. Très bien. Bon, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les likes, les commentaires et tout ça. Si vous en voulez plus... On s'arrête là pour aujourd'hui, à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut, salut !